Du coup, c'est ta carte blanche. Tu vas nous parler de quoi? De Son Goku, de Oui Oui, de trucs pour jeunes, petits? Alors, je pense que vous attendez tous à ça. Et en fait, j'en ai pas du tout envie. J'avais envie de vous parler de ce que je fais aujourd'hui. Le dessin animé que je fais aujourd'hui, et je le fais avec les gens qui ont grandi avec moi, effectivement, qui ont été bercés par Dragon Ball, qui ont grandi avec, et puis qui ont grandi avec moi dans l'oreille. Et puis, ils me font la joie et l'honneur de travailler avec eux aujourd'hui. Et je suis vraiment très, très, très contente de ça. Parce qu'en fait, en France, quand on parle de dessin animé, on parle tout le temps de dessin animé pour les enfants. Et quand on va à la télévision et qu'on fait un dessin animé, par exemple, moi j'ai fait Le Petit Ninou que vous avez vu tout à l'heure, en fait on va le mettre à 7h du matin pour les enfants. Or moi je ne m'adressais pas aux enfants, enfin je m'adresse aux enfants parce qu'il y en a, mais en fait je m'adressais plutôt à mes fans qui avaient grandi avec moi et je me suis dit ça va les faire marrer si je fais des canulars téléphoniques avec la voix qu'ils connaissent depuis toujours. Et du coup je me suis retrouvée à 7h du matin. Les gens me demandaient quand ça passait, ils étaient obligés de prendre des replays, etc. Et il n'y avait pas de diffusion pour les grands. Et en convention, avec David, avec vous, on les passe et à chaque fois, ça fait marrer les gens, quoi. Et c'est dommage parce que ça prive de cette visibilité-là. Lorsque je suis allée au Japon pour rencontrer mon homologue japonaise, je suis arrivée là-bas et on me parlait ici que du dessin animé pour enfants qu'on doublait ici. Et en fait, au Japon, je me suis rendu compte en fait, qu'il y avait du dessin animé pour les adultes et que pour eux, c'était un média, etc. Et j'en ai découvert plein. Et quand on arrive en France et qu'on parle de ça, il n'y a pas d'endroit où les diffuser, ou en parler, ou les développer. Et ça m'a fait vraiment plaisir de vous rencontrer, de rencontrer David déjà, qu'on s'est rencontré en convention. Je te laisse te présenter à tes camarades. Bonjour, puisque je suis obligée d'être là, j'espère qu'on va devenir amis. J'aime bien les fleurs et l'un d'entre vous va mourir cette année. Pardon. Très bien, va t'asseoir. J'étais fan de Dragon Ball, comme beaucoup d'entre vous. Je regardais le Club Dorothée, sûrement comme certains d'entre vous, parce que j'en vois qui ont connu que les minicums. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Et du coup, j'ai grandi avec ta voix dans l'oreille. Et quand je regardais ça gamin, jamais j'aurais imaginé un jour travailler avec Brigitte. Sauf que j'ai grandi, pas trop. 1m59. Et du coup, j'ai rêvé de faire de la bande dessinée. J'ai réussi à faire de la BD. J'ai fait un truc qui s'appelle La Petite Mort. Et un jour, on m'a dit, tu voudrais pas en faire un dessin animé? J'ai fait, ah oui. Et 2 mois plus tard, j'étais au TGS à Toulouse et il y avait Brigitte. Du coup, je suis allé la voir et je lui ai dit, voilà, j'adore ce que tu fais, j'ai adoré Dragon Ball. J'ai peut-être un dessin animé qui va arriver, c'est un petit personnage, mais c'est la mort quand même, donc c'est un peu touchy, mais j'adorerais que ça soit ta voix. Et tu m'as dit oui, direct, tu m'as même pas demandé d'argent, rien. Tu crois? Non, je crois pas. Ça m'étonne. Non. Et 1 an et demi, 2 ans après, je lui ai dit, est-ce que tu te souviens qu'il y a 1 an et demi ou il y a 2 ans, je t'avais dit que j'aurais bien aimé? Elle m'a dit oui. Oui, mais du coup, cette rencontre a fait que du coup, on s'est re-rencontrés plein d'autres fois. Après, j'osais lui parler et tout. Et du coup, on s'est parlé plus. Oui. Tu te rappelles? Oui, je m'en rappelle, oui. pas vraiment de moment précis, mais je me rappelle qu'on se parlait plus. Et puis, on a lancé le projet de La Petite Mort et il y a 3 saisons. Et tu as fait toutes les saisons. Si tu veux, on rentre ensemble après l'école. Oh, tu comprends, c'est toi qui vas mourir. T'as une leucémie. Mon papa, il veut pas que je ramène de travail à la maison. Voir vivre un personnage que t'as inventé... Ouais, c'est ce que j'avais demandé. Comment, quand on passe du papier à l'animation... C'est génial, parce que vu que je sais pas bien dessiner, mais que je dessine mes BD, du coup, vu que je suis mon scénariste, y a pas de voiture. Parce que je ne sais pas dessiner les voitures. Elle ne fait pas de guitare, La Petite Mort, parce que je ne sais pas faire les guitares. Et elle n'a qu'une tête, parce que je ne sais faire que les têtes. Et quand il y a un dessin animé, et que tu as une boîte comme Donc Voilà, des réalisateurs comme Loïc, comme Pierre-Emmanuel, comme Joris, qui travaillent sur le truc, toi tu dis, ils ont un corbillard. Ils font, ok, ah, ok, ok. Ah, elle se téléporte et elle va en Égypte. Ok. Et là, dans le dessin animé, il y a plus de trucs que dans la BD. Quand tu passes d'une bande dessinée
un dessin animé, il faut une adaptation. Ah, carrément, ouais. Et c'est toi qui l'as faite ? Oui, parce que je voulais pas que des gens y touchent à mon travail. À ma petite mort. Donc je suis un petit peu monomaniaque. Donc j'ai dit, je signe pour un dessin animé que si j'écris tous les épisodes. Alors il y a Marie de Banville qui m'aide à... parce que j'avais jamais écrit de dessin animé, du coup c'est un rythme différent des sketchs sur internet, ce que j'ai plus l'habitude de faire. Donc elle était là pour m'apprendre un peu le rythme de l'animation, parce que c'est du feuilletonnant, La Petite Mort, et du feuilletonnant en 4 minutes 20, c'est pas simple à tenir, donc du coup elle est venue pour m'aider un petit peu. C'est 10 épisodes par saison, 10 épisodes c'est une BD de 96 pages. Donc il y a un petit peu un travail de transformation. Mais je préfère le dessin animé à la bande dessinée au final, puisque quand je fais la bande dessinée, je l'improvise, donc je ne sais pas ce que je vais faire et je ne connais pas la fin de l'album. Je commence à dessiner et au milieu de l'album, je me dis, ok, déjà il y a 40 pages, je suis obligé d'avoir une fin et je ne veux pas redessiner 40 pages, donc je suis obligé de trouver une fin à partir de là. J'adore l'impro en vrai et du coup je fais de l'impro en BD. Mais quand tu fais un dessin animé, tu ne peux pas faire de l'impro du tout. Donc je reprends les BD, je les relis et je me dis, en fait, ça aurait été mieux de faire l'histoire comme ça, et le dessin animé est la vraie histoire au final. Souvent on nous dit pas de feuilletonnant, il faut que les gens ils puissent prendre n'importe quel épisode à n'importe quel moment. Mmh. Et moi j'ai vécu ce truc fou où on me dit, est-ce que tu veux juste faire des blagues sur la mort ou faire quelque chose de feuilletonnant ? J'ai eu le choix, donc j'ai pris le choix du feuilletonnant. Ouais, c'est bien. Ouais, pour des fois faire des épisodes où je fais pas du feuilletonnant parce que j'ai envie de casser les règles. Ouais. Mais peut-être aussi parce que c'est diffusé sur France Télé, mais web. C'est que le web, ouais. Ouais, c'est ça. En fait, on a une chance, je pense, aujourd'hui, avec les dessins animés pour adultes, à destination adulte, c'est qu'on a Internet, on a des budgets de merde, mais... budget de merde veut dire liberté, ça c'est bien. Vraiment, moi, mon agent, quand j'ai signé chez lui, le premier contrat que j'ai eu, il m'a dit, mais tu fais que du web, t'es payé comme une merde. Il m'a pas dit que merde, il m'a dit ça. Il a pensé vraiment fort. Je dis oui, mais je fais ce que je veux. Il y a eu un blanc et il m'a dit oui, mais t'es payé comme une merde. Et j'ai fait oui, c'est un choix. Voilà. Bonjour, bonjour. Enfin, bonjour, parce qu'on s'est déjà vu tout à l'heure, c'est pour ça. Et d'ailleurs, bonjour, c'est peut-être pas non plus forcément un bonjour. Hein ? Allez, votre âme. Votre âme, s'il vous plaît. Ce que je trouve cool, c'est de voir un truc comme ça qui est produit finalement avec la redevance. Nos impôts ? Nos impôts. Comme pour la semaine, que pour Monsieur Flap, ça fait plaisir. Est-ce que vous avez senti, outre le fait que les budgets sont moindres quand même, mais qu'il y a moins d'histoires de cibles, au-delà du fait qu'on peut faire des feuilletonnants, est-ce qu'ils prennent moins la tête, par exemple, pour faire un truc qui est à la fois ado-adulte, parce que avec qui ne rentre pas dans des cases type 9-13, est-ce qu'on laisse un peu libre de ça ? Ça dépend des gens qui sont sur le plateau tournant de France Télévisions tous les 4 ans. Des fois, tu as des gens super, puis des fois, tu as des gens qui te disent « La Petite Mort, elle peut pas avoir d'enfant parce que sinon, notre public va pas comprendre. » Tu dis « À la saison 3, quand même. » Si les gens, ils ont regardé les deux premières saisons, à un moment, ils disent « Non, faut réécrire. » Mais dans la bande dessinée, c'est pas comme ça. « Oui, mais notre public va pas comprendre. » C'est fou, hein ? Ouais. Bon, alors, mais c'est le seul truc. Vraiment, le seul truc qui m'a embêté sur toute La Petite Mort, c'est ce truc-là où on m'a dit de reculer la paternité de mon personnage. Voilà. Après, quand t'as 1 million de vues sur une première saison, t'es quand même un peu plus tranquille sur les saisons d'après, on te laisse plus de liberté. Ouais. Monsieur Flap et La Petite Mort, ça a été sur Studio 4 qui nous a beaucoup aidé, quoi. En tout cas, moi je sais que Monsieur Flap, c'était avant La Petite Mort, ça a créé une aspiration de public, voilà. Et derrière, La Petite Mort est arrivée et on a profité de ce truc-là. Et après, on a eu des libertés, quoi. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est les succès les plus importants sur Secret, c'est de l'animation. Alors qu'il y a eu aussi beaucoup de live. Ah bah oui, ça je peux te le dire. Et crois-moi, le live, moi, on m'a pas dit fait une saison 3. Hein. Je pense que sur le web, les gens qui font des vidéos dans leur chambre, sur YouTube, les gens qui font des vidéos dans leur chambre ont rarement le moyen de faire un dessin animé. Et je pense que Studio 4, sans faire exprès, s'est rendu compte, qui est maintenant devenu Slash, s'est rendu compte qu'eux, ils avaient le budget pour pouvoir faire des mini-séries, des animés. Et en fait, c'est ce que le public de YouTube n'avait pas. Des dessins animés pour les ados adultes, courts, qu'ils peuvent regarder soit à la récré, soit en pause-déj. Et ça a explosé. Parce que finalement, tout le monde peut proposer
une fiction live. Maintenant, aujourd'hui, avec ton portable, tu fais un truc bien, quoi. Pas de l'animation. L'animation, c'est plus compliqué. Et je pense que c'est pour ça qu'on est sorti du lot, finalement, sans faire exprès. Oui, et puis rien n'était programmé. Le choix des sujets aussi, c'est-à-dire le choix des sujets. Ça parlait un petit peu. Mais c'est vrai qu'avant, Monsieur Flap, moi, je me rappelle, sur No Life, on avait diffusé en 2008. Alors le premier petit clip, tu veux dire ? Non, c'est un petit peu plus récent que ça, mais c'est vieux quand même. 2010. Je crois que c'est, je dirais 2012, non ? 2012. Ouais. Ok. C'est vrai que je me disais, quelle chaîne peut diffuser ça ? C'est un mec qui a une tête de cul et un œil dans l'anus, quoi. Bah en fait, on était allé voir France 4 à l'époque et ils ont bien aimé, mais Pierre Siracusa a dit c'est des testicules, ça. Le monsieur, il a des testicules sur le visage. Parce que oui, c'est l'histoire d'un monsieur qui a une tête de cul et qui tombe amoureux. C'est ça, Monsieur Flap. Voilà. Monsieur Flap a une tête de cul. L'amour, c'est pas facile quand tout le monde voit ton ami. Et donc, il a trouvé le concept intéressant, hein, ça lui a plu, mais il a dit, mais ça, c'est des couilles, c'est plus 18. Donc, ouais. Voilà. Bah moi, ils m'ont dit, la mort, croyez pas que vous allez passer ça sur France 4. Ça va pas ou quoi ? Bah, la mort, les enfants, je fais oui, mais ça s'adresse pas aux enfants. Mais oui, mais c'est un dessin animé. Bon, mais d'accord, ok. Bon, restons sur le web. Le même problème, ouais. C'est récurrent. On disait qu'il n'y avait pas de dessin animé sur YouTube, il y avait un truc très bien qui s'appelait les Cassos. Voilà, excusez-moi. Ça me rappelle quelque chose. Oui, d'ailleurs. Qui est accessoirement l'endroit où on a rencontré. Enfin, oui, c'est voilà. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Puisque Brigitte a fait des voix sur la saison 2 et 3. Faisait Bonne nuit les petits. Bonne nuit les petits. Ouais. Magnifique. E.T. aussi. Magnifique épisode. Et E.T. Bon, ouais, écoute, je crois vraiment qu'il profite de ton hospitalité, là, le frère. Hein. N'importe quoi. E.T., c'est mon meilleur ami. Allez, viens, E.T., rentrons chez nous. En between. En même temps, j'ai fait pendant 15 ans, allez, Bonne nuit les petits, où je faisais Nicolas et où j'endormais tout le monde tous les soirs. Et d'un seul coup, il y a des joyeux lurons qui me demandent de venir faire la voix de Nicolas et de rencontrer Nounours bizarrement autrement que de descendre de son nuage. Alors les enfants, vous avez été sages. Tu délèves les mains après le pipi. Mais pourquoi vous faites ça? Vous pouvez pas nous laisser allez, tranquille. Non. Tu parlais tout à l'heure de ta rencontre avec ton homonyme japonaise, donc c'était la comédienne Nozawa, de doublage japonaise de Sangoku, et qu'à l'époque tu avais compris qu'il y avait des dessins animés pour les adultes, sauf que cette époque-là, c'était fin 80, c'est ça? Tu l'as rencontré très tôt. Oui, c'est ça, 89, je dirais. Oui. Donc en fait, il y a eu un gros temps entre le moment où tu as rendu compte de ce qui pouvait exister en animation adulte dans le monde, notamment au Japon, et l'émergence d'une nouvelle génération les Cassos, des gens comme Davy. Moi, j'avais été sur les plateaux à l'époque de Nicky Larson, de tous ces trucs-là, et tu disais, c'est dommage parce qu'on pourrait en faire quelque chose d'autre que ce qu'on en faisait, voilà, et ça arrive maintenant, pourquoi pas, hein, voilà, c'est bien. Le fait que Brigitte fasse la voix de la petite mort, fasse la voix de Pipoudou, le fait que Vincent Ropion, qui est la voix de Nicky Larson, entre autres, hein, mais voilà, ait fait la voix de Howard dans Last Man, c'est là pour le coup, on est sur c'est le doudou qu'on ramène et à qui on a fatalement envie de faire dire des saloperies. Je m'appelle Pipoudou, j'aime bien chanter quand il fait beau. Ensemble on fait les fous, on dit bonjour aux animaux. Chaque jour est un mystère, c'est l'aventure qui nous attend. Ah là là, je me demande qu'est-ce qui va bien nous arriver. Non, on était un peu nerveux là. C'est vrai qu'au début, on a dit bon, voilà, on a un dessin animé, c'est un petit peu salé. Ils m'ont menti, mais c'est pas possible. Hein. Ouais, c'est un petit peu, c'est coquinou. Et Brigitte disait, moi j'étais très enthousiaste, je disais, oh ouais, nouveau super. Projet, chouette, j'arrive. L'animation pour adultes, enfin. Mais voilà. Brigitte, il faut qu'on fasse une lecture d'abord, parce qu'il faut que tu vois. Ah ouais, d'accord, quand vous voulez, maintenant. Et ils m'attendaient tous à la lecture, et c'était le drame. Bah on s'attendait vraiment à ce que tu dises, les gars, ça je fais pas. Mais en fait, non, t'as ri, c'est t'as vrai rigolé. Peut-être que tu jouais déjà la comédie, mais en fait, t'as trouvé ça marrant, il me semble. C'était 5 fruits et légumes par jour, ouais.
Puis après, on t'a montré les animatiques, les trois premières, et à chaque fois, c'était pire. C'était rigolo parce que des fois, Balak, il me donnait un script et puis il me disait, bon, voilà, en fait, si tu veux pas le faire, on ne le fait pas. Ou on peut s'arrêter. S'arrête quand tu veux, Brigitte. Quand tu veux. Il y avait un safe word et tout, Non, mais... Mais non, c'était donc du coup c'était super parce que nous quand on imaginait Pipoudou et voilà que nous on faisait nos petites voix quand on écrit ensemble, c'était déjà on se marrait bien, on disait quand même on est payé pour faire ces conneries, c'est fou. Et après quand Brigitte arrivait et posait sa voix d'une naïveté confondante sur ce personnage, enfin là ça prenait tout de suite une espèce d'ampleur quoi. Enfin on se disait oui là on tient. Ah, si l'animation en adulte était rentable, on serait riche. Ah, Pipoudou ! Ah merde, il bouge plus ! Je crois que c'était la branlette de trop ! Brice est co-scénariste sur Pipoudou, mais vous êtes tous les deux aussi des voix de la série, notamment Léveline et Gros Costaud qu'on voit au tout début. Pas du tout ! Pas du tout ! Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler ! Alors les amis, qu'est-ce qu'on a ? Bah en fait, ça fait à peu près 3 jours que Pipoudou se paluche devant un jeu vidéo érotique et qu'il fait caca dans des sacs poubelles. Ah oui, bon bah là on n'a pas le cul sorti des ronces. Comment tu fais d'ailleurs pour rentrer le personnage de Gros Costaud ? Attends, c'est bon. Il faut vider son esprit de toute pensée complexe. Il faut savoir qu'on a parlé comme ça sur toute la production, tout le monde dans l'équipe, voilà. J'ai eu des petits problèmes, des petits nodules, dans les cordes vocales. Exactement. Ah bah non, si, je vais vous dire, en fait, c'est que Papa Noël, il va jamais amener de canon, du coup, depuis tout gamin, j'ai un vrai traumatisme au fond de mon cœur. Alors, il faut savoir que chacun peut avoir effectivement, par exemple, des addictions sexuelles, alors, bon. Moi, c'est mon truc, j'adore les pommes de pin, je me les colle dans l'urètre. Voilà, bon, ça c'est. Ok. Mais il faut savoir que ce n'est pas sale, c'est tout à fait sans danger, c'est d'ailleurs, je le fais tous les jours. Dis donc, Gros Costaud, quoi, tu serais pas en train de raconter des âneries en mon absence, toi ? Oh ! Docteur Lachette ! Rien. Bonsoir. Oh, vous ici ! C'est Jeanne. Alors, je vous épargne les détails concernant les guirlandes qu'on a retrouvées dans son rectum. C'est un dessin animé d'éducation sexuelle. On a un docteur qui explique la vie, et donc c'est Jeanne Chartier qui fait le docteur Lachatte et qui a fait aussi beaucoup de voix sur les cassos. Je veux pouvoir me bourrer la gueule, me faire sauter par qui je veux, bordel de merde, je veux de la bite. La différence avec ce que tu faisais sur les séries japonaises, c'est que ça soit avec Davy, je ne sais pas exactement comment ça se passe avec Davy, mais en tout cas, ici, c'est que ce ne sont pas des comédiens de doublage, ce sont des comédiens qui font de la création de voix sur les séries qu'on fait ici. Donc on construit les personnages avec Jeanne, avec Brigitte, vraiment. Il y a quelques dessins au départ, et au fur et à mesure que la série se fait, l'apport des comédiens est immense, c'est-à-dire que c'est eux qui font vraiment vivre et qu'on se dit, cette vanne-là, sera encore plus drôle parce qu'on sait exactement comment vous allez la délivrer quoi. Et donc il y a un vrai travail de création de voix qui est différent du métier de comédien de doublage. Alors Pipoudou, j'espère que toutes ces aventures t'ont fait retenir la leçon. Oh oui docteur, j'ai appris que les amis c'est important. Alors que la taille ça n'est pas important par contre. Avec Pipoudou on a fait très attention vu qu'on était sur des thèmes qui étaient de base Gaudriole et tout ça, voilà. Et on pouvait très facilement bifurquer vers des choses un peu fastoches. Et en fait, non, vu que c'était, en fait, on a pris au pied de la lettre le fait que c'était une série éducative, en fait, pour adultes. C'est-à-dire que je vous jure, là, ça se voit pas sur l'épisode qu'on a vu, mais il y a vraiment des épisodes où on apprend vraiment des choses grâce au docteur. Mais je confirme parce que moi, j'ai appris énormément de choses en doublant ce dessin animé, notamment un des premiers épisodes, celui sur le pamplemousse. Ah oui. Pour ceux qui l'ont vu, moi je suis allée vérifier derrière parce que je faisais un peu ma maline, hein, il raconte n'importe quoi. Puis en tapant sur internet, je me suis rendu compte que vous étiez informé quand même. Ben, parce que en tant que docteur, je peux pas tout dire que des conneries, donc c'est important. Non, pour mais non, c'est-à-dire que il y avait cette espèce de truc où on dit on va regarder une espèce de grosse connerie. Et moi, ce que j'aimais bien, c'est penser que quand même,
on pouvait quand même éduquer aussi et apprendre en s'amusant. Mais je suis sûre que tu as c'est appris énormément de choses. Oui, le pamplemousse, pour ceux qui ne savent pas, si jamais vous prenez du Viagra, il ne faut pas prendre de pamplemousse puisque ça annule les effets. Le pamplemousse, déjà, est contre-indiqué pour beaucoup, beaucoup de médicaments, donc renseignez-vous. C'est vrai qu'on ne le sait pas forcément. Stop au pamplemousse. Oui, non. Heureusement, c'est dégueulasse. Heureusement, c'est pas super. Voilà. De toute façon, c'était dans l'ADN vraiment du projet, c'était la bienveillance, effectivement, la positivité, y compris sur des sujets compliqués. Et puis après, tu y vas en disant, bon, il se peut qu'on fasse des vannes qui soient un peu trop grasses ou qui aillent un peu trop loin, voilà, mais en partant du principe qu'il n'y avait aucun jugement, aucun truc vrai méchant, c'était très important que toutes les sexualités, toutes les pratiques, y compris les pommes de pin dans l'urètre, soient traitées avec... soient traitées, tu vois, avec un bienveillance. Ouais. Et le docteur Lachat aidait beaucoup pour ça, oui. Maintenant, on la diffuse gratuitement sur notre site parce que, en gros, ça correspond à aucune case, à aucun diffuseur veut produire la suite parce qu'il y a du cul. Et on réfléchit très fortement actuellement à faire appel à vous pour produire la saison 2 via ce qu'on appelle le financement participatif. La manche virtuelle. Voilà, la manche virtuelle. Et on vous prépare une belle campagne avec des... Mais on a fait vraiment le tour, même au Japon, par exemple. On pourrait croire qu'au Japon, ils font des trucs de sexuels hentai, ou en tout cas bien déviants, ou avec des niches bien particulières. Et ils nous ont dit, non, Pipoudou, c'est pas possible. Parce que... Même avec une niche le soir... Il n'y a pas de niche, Pipoudou. Il n'y a pas de niche. Tu ne fais pas une série comique avec du cul. Tu fais du cul. Mais, ou de la comédie, mais il n'y a pas d'entre-deux, ni au Japon, ni aux USA, ni en Europe. Donc, et si on innovait ? Innover, bah oui, mais en direct avec les spectateurs. Alors. Donc il faut se passer des diffuseurs, il n'y en a aucun qui... Black Peas a arrêté en fait son service de SVOD, et c'est les seuls à avoir osé... Les diffuseurs, ça innove pas trop. Pour tout te dire, on a même pensé mettre Pipoudou, coproduire avec des sites très spécialisés, type porn et compagnie, et ils nous ont dit, non, c'est pas assez cul. Voilà. Oui. Donc voilà, vous voyez vraiment à quel point on est dans aucune case. Quoi. Et oui, moi souvent on me demande en convention, effectivement, on me demande et quand la saison 2 ? Eh bien, on lance un crowdfunding d'ici maximum un mois et demi. Et c'est hyper risqué pour nous parce qu'en gros, on fait reposer toute la prod de la saison 2 sur cette campagne. On n'a aucun autre partenaire, donc 100% de la saison 2 doit être financée via cette campagne. Voilà. L'animation, ça coûte très cher. Pipoudou n'est pas forcément le style d'animation le plus cher. Dans l'absolu, mais on a craché du sang pour faire cette saison, cette série. On a fait 18 épisodes quand même en très peu de temps. Ouais. Brice peut en témoigner, il était au charbon. Oui. A perdu des points de vie. C'est vrai qu'on l'a fait pour très peu cher, très vite. On aimerait bien, cet homme a un enfant. Moi, je suis vieux. J'ai trois chats. j'aimerais les voir encore longtemps. Et c'est vrai que oui, d'avoir. Voilà, si on pouvait être un peu plus confort, faire un peu moins d'épisodes, mais peut-être avec un peu plus de confort, ça serait cool. C'est exactement. Oui, on aimerait bien faire une saison 2. On va faire un Kickstarter ou autre, je ne sais quel truc participatif. Non, en vrai, on vous prépare des beaux rewards. Non, il y a des beaux rewards. Ouais. Voilà, à base de choses vidéo, de choses, peut-être une peluche, des choses comme ça. Ce qu'il faut dire, c'est que l'animation, même si par exemple dans Pipoudou, il n'y a pas de compositing, comme on dit, reste qu'il faut quand même du temps pour l'écriture, il faut des animateurs, des gens pour la couleur, des gens pour les voix. Enfin, l'animation, ça a un coût fixe assez énorme. C'est en cours, et sachant que jusque-là, la série a toujours été gratuite, et qu'elle, la saison 2 le sera à terme aussi, si le Kickstarter réussit, mais on ne peut pas la faire gratuite si on ne peut pas la faire tout court de base. Donc voilà, l'idée, c'est de la produire en direct avec les fans, et il y a beaucoup de contreparties en échange. De contreparties physiques, des bonus digitaux, etc. Il faut savoir que Pipoudou marchait extrêmement bien. On nous a dit très vite, on envoyait sur une saison 2 que j'avais commencé à écrire avec beaucoup d'appétence, et les choses étant ce qu'elles sont dans le monde du web et des applications, du jour au lendemain on te dit eh ben en fait non. Tu te la mets sur l'oreille et tu te la fumes jamais, et du coup oui, grosso modo j'ai ce qu'on appelle les couilles bleues créatives depuis maintenant longtemps, un an et demi. Voilà, c'est un peu chiant, et c'est une vraie frustration de ne pas faire cette saison 2 qui sera dans l'espace, qui sera un Star Trek du cul, un sex trek. Voilà. Ça revient à tout à l'heure, je disais que Flap et La Petite Mort étaient les plus gros succès Studio 4. On peut le dire, Pipoudou et Vermine, dans notre autre série, étaient les
plus gros score de Black Pills sur leur appli, loin devant les séries live. Et c'est pas par rapport aux autres séries live, que c'est juste que le médium animation, je pense, s'exporte beaucoup plus facilement, peut-être en ado-adulte. Il y a un vrai avenir, je pense que tout le monde est d'accord. Il y a Lastman, il y a Rick et Morty. On sent qu'il y a une attente du public, mais les diffuseurs sont un peu à la traîne. À chaque fois, tu as l'impression de mettre un pied dans la porte quand tu fais de l'anime adulte. C'est, que ce soit les Cassos, la petite mort, Monsieur Flap. Ça a beau faire des scores à terme super impressionnants. Lastman, on a pété les scores aussi au niveau de la VOD légale de France Télé. Voilà. Petit à petit, il y a quand même des gens qui, les pieds droit dans leurs bottes, disent non, mais l'animation adulte, ça n'intéresse pas les gens à la télévision. Alors c'est des gens qui savent. C'est bizarre. Mais voilà, les gens qui savent, ça fait quand même maintenant quelques années que le web leur montre que, effectivement, les programmes adultes ou ado-adultes, en tout cas pas pour enfants animés, ça intéresse énormément de gens. Et si les mecs s'étaient un peu réveillés depuis, je sais pas, les Simpsons, ils se seraient rendus compte aussi de ça, plutôt que de nous resservir à chaque fois qu'on voulait faire d'animation adulte en France. L'animation adulte, ça n'intéresse pas les gens. Sans forcément dire des noms, ou voilà, parce que c'est une espèce de truc global, j'aimerais juste dire à ces gens-là qui nous ont servi de l'animation adulte à la télévision, ça n'intéresse personne, j'aimerais juste, là, dans ce micro, dire qu'ils aillent bien se faire enculer. Voilà. Même si la sodomie est une pratique extrêmement agréable. Prosternez-vous devant ma bite! Bravo. Et j'espère que ça va supplanter Nuage Magique.